Remise officielle du bureau de la police de Capata, c'est vendredi 1er décembre 2023, dans le cadre de l'exécution du cahier des charges de l'entreprise minière sino-congolaise de mines, Sicomine SA en sigle. Le représentant du bureau d'études SEC revient sur l'historique des travaux. Voici en quelques lignes ce qui présente ces projets. Premièrement, ces projets consistaient à la réhabilitation du bureau existant. Donc, les remplacements de couverture en bac autoportant, les remplacements de plafond, portes et vitres, la peinture, la réfection du pavement et pose carreaux. La deuxième partie consistait à la construction des blocs sanitaires des 4 toilettes, donc 2 pour hommes et 2 pour femmes. La troisième partie consistait à la construction en ajout d'un bureau. Quatrièmement, c'était la construction d'une clôture dont une partie en maçonnerie et une autre en métallique. La cinquième partie, c'était les équipements. Pour sa part, le CLD, Comité local de développement Capata, présente ses sincères remerciements à l'entreprise et à la bourgmestre de la commune de Dilala pour l'aboutissement du projet. Vraiment, nous remercions Madame le bourgmestre de la commune de Dilala, qui est notre ETD, le président de toutes les communes de Dilala. Nous remercions encore les chefs de quartier qui nous apportent des conseils jour et nuit. Françoise Mangueji, bourgmestre de la commune de Dilala, demande aux bénéficiaires des sites ouvrages d'en faire un bon usage. À chaque fois, l'entreprise Sicomine est avec nous et nous accompagne. Surtout dans notre cahier des charges, il y a certes des difficultés, mais il s'attelle quand même, tant soit peu, à réaliser tout ce que vous lui avez proposé dans un délai record. Et à vous, les bénéficiaires, nous vous demandons de garder ces bijoux en bon père de famille. Aujourd'hui, c'est très beau, c'est très propre. J'ose croire que, ensemble, une année après, deux ans après, dès qu'on passe, on fait un petit tour ici, on va trouver ces beaux bureaux, toujours beaux et toujours propres. La coupure du ruban symbolique, la visite à Gudi et la signature des documents, ainsi que la remise des clés, ont clôturé cette cérémonie. À noter que cet ouvrage comprend les blocs sanitaires, les bureaux du commandant, salle d'attente et un cachot. La patronne de Dilala est plus que déterminée à matérialiser la vision du président Tshisekedi Tshilombo, exécutée en Provence par la gouverneure Fifi Masuka Saini.